Plus de tonnes du putain. Quelqu'un qui est Brugarmené d'Espayette. Bonjour à tous, le cercle sceptique Brugarmené d'Espayette, les bruyères de la montagne. Sont heureux de vous présenter maintenant et de vous faire participer aux premières danses arbutunes consacrées aux pêche-pilles. Alors regardez bien, mesdames et messieurs, parce que tout à l'heure, c'est pas eux, mais ça va être vous qui allez participer à cette danse arbutune. Danse arbutune, danse concours du Pays Ficelle, voisin du Pays de la Montagne. Arbutune, le tabac, les meilleurs danseurs étaient récompensés par du tabac. Regardez, admirez bien, ils ont tous des pas différents, tous ces pas étaient dansés dans le Piémont. Passez à travers les chaises, enlevez les chaises, venez, venez, n'ayez pas peur. C'est le moment d'apprendre les différentes formes de pêche-pille. Ceux qui pensent connaître le pêche-pille, n'hésitez pas à venir car vous allez apprendre des nouveaux pas. Allô? Ouais. Ben moi je pense qu'il faut quand même échauffer tout le monde parce que la danse bretonne c'est quand même un sport avant tout. Alors on va commencer par un petit pas chassé. Allez! Allez, allez, allez! Vous êtes chaud ou quoi? Allez! Je crois que ça bouge un peu là. Allez! Hello! Oh là là! Vous êtes pas comme ça, on y va! Mais il va falloir échauffer aussi les bras! Alors, on va. C'est pas mal. T'en penses quoi, Tristan? C'est super! On va les se prendre par les petits doigts. Alors on va vous montrer un pas qui a été collecté par Jean-Michel Guilcher à Spézette tout d'abord. Donc ça va donner gauche en avance, droite en talonne. Donc si je reprends, ça donne gauche talonne. On va refaire ça, gauche talonne. Pour les plus téméraires d'entre vous, vous pourrez adopter la mode de Châteauneuf-du-Fou qui donnait gauche saute. Alors, on va refaire ça, gauche talonne ou gauche saute. Alors, on s'est avancé, donc il va falloir reculer sur trois petits pas, ça va donner droite, gauche, droite. Si je refais le tout, ça va donner gauche talonne, trois petits pas, gauche talonne, trois petits pas, gauche talonne, trois petits pas, gauche talonne, trois petits pas. On y va pour le tout, 16 temps de balade, 16 temps de figure, partons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
amateur, 15 figures et gauche talonne, 3 petits pas, gauche talonne, 3 petits pas, gauche talonne, 3 petits pas, gauche talonne, 3 petits pas. Et ben je crois que vous êtes prêts. En avant pour la danse arbutine. Alors on va rechanter le pachepi en corn à discorn. Donc Katel va mener, elle fait le corn. Et Anne-Cécile va faire le discorn. Donc vous pourrez évidemment chanter avec le discorneur. Moi, vous avez reçu des petits flyers où vous utilisez vos oreilles. Et on est très contente de chanter encore ce style de chanson, cette tradition qui a été une tradition orale, passée de personne à d'autres. Et aussi l'envie de chanter, ce qui nous a donné envie de chanter. On espère que ça va vous donner envie de chanter aussi. Alors on tenait quand même, le cercle tenait quand même à avoir une petite pensée aujourd'hui pour Yvon Morvan qui nous a quitté hier. On peut voilà, applaudir. On s'en sort de ton avis. Hein. Allez, place pour le concours. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, c'est le moment de tout donner. Qui danse concours dit récompense. Là, notre groupe sera récompensé par une linogravure exécutée par une fille du cercle ainsi que le CD du cercle. C'est le moment de tout donner, de lâcher tous les gens sur le côté de chanter. Allez, tout le monde applaudit, tout le monde encourage. Allez, on encourage tous nos danseurs, c'est parti. Allez, on met du tertigène, de l'énergie. Allez, on applaudit tous ceux qui sont sur les côtés, on applaudit, allez. Allez, on applaudit tous. Vous ont été choisis pour leur talent, leur dextérité. Mélène, premier prix du concours dans sa petite région. Et Hervé, qui est sur le DVD qui vient de remporter. On peut l'applaudir bien fort. Allez, on peut tous se réunir devant la caravane pour faire une photo souvenir avec Hervé et Mélène devant. Tous s'applaudir, s'embrasser, se serrer la main pour passer ce moment merveilleux tous ensemble. Et on se retrouve pour une prochaine fois.